Hello les amis, voilà, on se retrouve dans un nouvel épisode de Hogwarts Legacy. Après avoir explosé des monstres, Shkafatsbal, enfin des monstres, des ennemis serpentaires, enfin des Skasbal, comme on sait bien, comme on les appelle toujours. Là, on va faire une autre mission secondaire. On va voir c'est quoi. Grace Peach Smandley. Bonjour, je peux t'aider? Oh, juste au ciel. Oui. Je m'appelle Grace Pinch Smedley. Tu sais, des Pinch Smedley de basse? Ouais, je connais. J'espérais tant que quelqu'un finisse par arriver. J'étais sur le point de désobéir à mon père et je pense que je ne me le serais jamais pardonné. J'en doute pas, Andouille. J'essaie de récupérer quelque chose qui a coulé au fond du lac. Tu veux récupérer quoi? Tu pourrais m'aider? Bien sûr. Une aventure sous-marine me tente bien. On va aller faire des aventures. Plonger dans le lac, ce serait une aventure épique. Dis-moi plus. Merveilleux. Surtout qu'on est habillés tous les c'est amis. C'est exactement la réponse que j'espérais. Non. As-tu besoin d'aide pour le retrouver? Il y a des années, mon grand-père, qui se prenait pour une sorte d'astronome, est parti avec ma grand-mère de la gare de Préolard pour une petite croisière dans le but d'observer les étoiles. Oh, c'est mignon. Ils ne sont jamais revenus. Toutes mes condoléances. Que leur est-il arrivé? On ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé. On sait seulement que ni eux ni leur bateau ne sont revenus. J'en doute pas. On a supposé qu'ils s'étaient noyés. Mon père était si bouleversé qu'il a formellement interdit à notre famille de s'aventurer sur ou dans le lac noir. Cette nuit-là, notre précieux astrolabe familial a sombré avec eux. Si tu pouvais plonger et aller le récupérer, je pourrais enfin apaiser le chagrin de mon père. Allez, on va aller sombrer dans les lacs, les amis. On va lui faire les petites questions. J'ai entendu parler des inadéquates. Medley de basse. Ta famille serait célèbre? C'est comme si tu demandais pourquoi le ciel est bleu ou l'herbe est verte. Mais ça va, t'exagères. Le Smedley est le synonyme même de curiosité intellectuelle. Quoi, tu voles pas bas, il me semble. Nous sommes réputés pour nos exploits artistiques et scientifiques. Je suis étonnée que tu n'aies jamais entendu parler de nous. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire, écoute. Que j'ai compte faire, ceux qui ne connaissent pas encore notre nom finiront par en entendre parler. Mais je m'en fous de ton nom, hein. Moi je veux faire de la thune, de l'oseille. Laisse-moi faire ma mission. Bordel de neige. Je casse les balles, les gens ici. Qui se tapent du matin au soir. Bon. Qu'est-ce que c'est qu'un astrolabe, au juste? Il s'agit d'un fantastique ancien outil de navigation. Okay. C'est comme un modèle réduit de notre univers. Bien sûr. On l'utilise principalement à des fins astronomiques, pour étudier les étoiles. Mais il a bien d'autres usages. Ah c'est bon? Un appareil Dis-moi. Fascinant. Malheureusement, il doit être complètement rouillé maintenant. Mais tu m'étonnes. J'aimerais quand même le récupérer. Ainsi, je pourrais raviver un peu le souvenir de mes grands-parents. Bon, ça c'est mignon par contre. Ça a l'air dangereux. Surtout pour quelque chose qui n'a qu'une valeur sentimentale. Je comprends. Mais si tu acceptes, je te serai à jamais reconnaissante. Et puis, ça va, on va le faire. Je l'ai déjà dit. Tu trouveras d'autres trésors en plus de l'astrolabe. Et bien tu t'en fous de ce qu'il dit lui. Ceci te reviendrait. J'ai comparé l'endroit où on aurait vu le navire pour la dernière fois avec la topographie du lac, sa profondeur et les horaires des marées. Mingue, tu sais tout, toi. Je pense qu'il est juste là, à environ 200 mètres du quai. Purée. Ce serait vraiment incroyable si je pouvais... T'es sûre que tu veux pas faire navigatrice? J'espère. Elle se tient bizarre. Que l'astrolabe. Cela représenterait tellement pour notre famille. Ah, la coulante que tu tiens comme ça, en douille. Reste du quai. Je devrais plonger et aller voir... Ouais, on s'en fout, allez, vas-y. Plonge dans l'eau. Plonge dans les airs. Enfin, dans les airs, pas encore, parce qu'on n'a rien, mais bon. Quel bordel de choses à faire, les amis. Vous avez vu tout ce qu'il y a sur la map? Il y a du vrai grabuge dans les airs. Bon, l'autre, il m'a dit que c'est par où? Merde, j'ai pas de... Comment ça se fait? Je ne vois rien. Est-ce normal? Allô, y a quelqu'un? Help me! Bah rien, ça fait rien. Bon, ça, attendez, parce que... Ah, ok, ça apparaît pas sur la map, en fait. C'est dur de marcher dans l'eau. C'est quoi, ces trucs-là? On aurait dit des vers solitaires. Bleh, c'est dégoûtant. Jus de sang... Ah, des sangsues, ok. C'est dégoûtant. Je n'aime point, ça. Je m'en fous de la mise à jour de Final Fantasy. Allez. Appuyez sur L3. L'astrolabe de la famille Pinch Smedley doit sûrement se trouver ici. Ok.
Ah, ok, les petites flaques comme ça, les amis, ça veut dire que... Il y a des choses à faire. Lunettes de protection solaire. C'est celle que je devrais avoir en été. Mais j'en ai pas. Bon sang, bonsoir. Que bordel cette mission encore. Astrolabe familial de Pinch, c'est un, j'ai trouvé, ça va. Je peux retourner en arrière en fait. Que j'ai trouvé l'astrolabe de sa famille. Oh, que c'est mignon. Mais je m'en fous, moi j'ai encore envie de chercher des choses ou pas. Bordel, il y en a des flaques à découvrir. Hein. Écharpe à rayures napolitaines, ça y est ici. On est à Naples, les amis. Il y a même des vêtements napolitains. Je ne savais pas qu'on appelait ça comme ça. Lunettes à monture de bois ornées d'argent. Gars, purée, plus long t'as pas comme nom pour des lunettes, purée. Gars, vous imaginez, vous allez au magasin de lunettes. C'est quoi ça? Ah, on fait les lancer des pierres, les amis. Gars, vous allez mettre une journée dans le magasin de lunettes. Ici, vous avez des montures ornées de fer en bois massif avec des pierres bleues enroulées de vaseline à l'état purage. Jus de sangsu, en plus, par en promotion, vous avez du jus de sangsu, voilà. Soit. Grace, bonjour, anatomie. Grace. J'ai suivi tes indications pour mon plongeon dans le lac noir. Oh, m'en fous. Incroyable. Tu as trouvé l'astrolabe? Bah écoute, je pense bien, non? Oui, les voici. Je l'ai hein. trouvé. J'espère que ton père sera content. Oh, oui, je n'en doute pas. J'ai hâte de voir sa tête. Oh, moi aussi. Ah non, moi je pourrais pas le voir, moi. Merde. Et n'est pas grave. Tu devrais chercher d'autres endroits où plonger. Quelqu'un ouais. d'aussi doué que toi trouvera à coup sûr toutes sortes de choses au fond de l'eau. T'inquiète, j'en ai déjà trouvé. Hé, hey, et tu sais quoi? Ouais, je m'en fous. J'espère que tu continueras oui. à plonger. Tu as un oui, je vais devenir plongeur professionnel, t'inquiète. Soit, je voulais te dire, fais une photo de la face de ton père quand tu lui donneras son truc, là. Allez, ciao. Du coup, on a fini cette mission, fais quoi? On va par où? On va par Daigle. Encore une mission, les je amis, là-bas. Je me demande qui y vit. Peut-être ta sœur ou ta mère, je sais pas. Est-ce que je peux venir voir ce qu'il y a dans la maison? Merde, c'est fermé. Oh purée, excusez-moi. Je ne voulais pas vous faire peur. Hé, le gobelin! T'as pas un problème, toi? Parce que ta voix, t'es bizarre. Hein. Excusez-moi, est-ce que tout va bien? T'en s'en fout. Je viens de perdre mon fond de corps. On s'en fout, il a dit. On s'en fout. Mieux d'aller voir quelqu'un d'autre. Je n'ai malheureusement rien à vous vendre. J'ai je m'en mal fous. J'ai du mal à croire. Restez sur vos gardes. Ranrock et ses fidèles n'épargnent personne. Ils la voix qui colle pas du Ranrock tout avec le personnage. Ranrock est avec les gobelins qui refusent de le rejoindre. J'aimerais moi aussi que les gobelins et les sorciers soient traités de manière égale, mais la violence n'est pas la solution. Bien sûr. J'ai dit ça. Ils s'en sont pris à moi et m'ont battu jusqu'à ce que je ne tienne plus debout. Ils bah, ont pris mes ça chariots, va, t'as pas l'air d'être mes battu, affaires, mec. Et surtout, ma peinture. Oh, encore quelqu'un qu'il faut aider, les amis. Ils ont déjà attaqué de cette manière. Je fais trop le gentil, moi, il faut que je devienne un peu méchant. Depuis quelque temps déjà. Il y en a marre. À leurs yeux, la violence est le seul moyen d'obtenir ce qu'ils veulent. La situation s'est envenimée dernièrement. Ranrock est de plus en plus puissant et ses fidèles le savent. Ouais, Ranrock, il joue du rock. Ranrock parce que c'est le fils de The Rock. Mais il avait tort. Bon nombre ouais. d'entre nous aimeraient une solution diplomatique à notre conflit. Vous avez dit que vos peintures avaient disparu. Vous êtes peintre? Ah oui, c'est ma bah, passion. S'il l'a dit, excuse-moi. Hein. Il est con, lui, ou quoi? J'ai créé quoi comme bonhomme? Je travaille dans le métal ou à Gringotts. Je serais prêt à parier mes plus beaux pinceaux que les fidèles de Ranrock n'en ont rien à faire de mon art et en feront du petit bois. Je sans mes chariots et mon gagne-pain, qui sait quand je pourrais peindre à nouveau? Ah bah ça, c'est pas, moi, je c'est pas mon problème. Je vais retrouver mec. Votre chariot. C'est gentil, mais je pense qu'ils les ont emportés dans leur campement, au sud-ouest d'ici, au-delà ouh, des ruines. Ça va être une mission compliquée, il alors. Il serait trop dangereux de s'y risquer. J'ai tu enchanté dis, les chariots pour qu'ils me reviennent si jamais un problème survenait. Les chances sont minces, j'en ai bien peur. Ouais. J'espère pouvoir récupérer une partie de ce qui m'a été volé. J'en doute pas, mon très cher. On je va aller voir ça tout de suite. Je suis ravi d'avoir fait même moi si les circonstances auraient pu être meilleures. Bah, les circonstances, ça, c'est toi qui le vois, mec. Moi,
À part faire ta mission, le reste, je m'en fous un peu. Hein. Bonjour, monsieur. Oui. Que vendez-vous ici ? Bonjour. Je ne sais pas. Je m'appelle Jalal Semi et vous êtes dans ma boutique de potions. Il y a Jalal, mon pote. Je réponds à toutes vos questions sur le village. Allez, Jalal, vas-y. On te pose des questions ici. Y a-t-il des rumeurs qui circulent en ville ? Un gobelin du nom de Pergit cause des problèmes dans le coin. Sa bande attaque les marchands itinérants et okay. Les affaires en pâtissent. Ah, ce ça, les pâtisseries. Que quelqu'un s'occupe de son cas. La glycémie. Mais personne n'ose s'en prendre à une bande de gobelins. Cela signifie qu'il peut faire ce que bon lui semble dans les ruines de Koro. Nous, on est des super-héros, donc on va aller les exploser, ces gobelins maudits. J'aimerais en savoir plus sur vous. Voyons oui. Voir. Je suis le meilleur potionniste de Campolar en bas. Mais ça va, mais ça, je sais pas. Temps, hein. Je n'étais qu'un simple élève de Poudlard comme vous. Ah. D'ailleurs, je vais vous faire la remise spéciale que je fais à tous les élèves de Poudlard. Qu'est-ce que tu veux ? C'est-à-dire le prix normal. Mais ah, merci. Waouh, quel effort. Quel effort qu'il a fait, le monsieur. Qu'avez-vous à vendre ? Je ne vends que des potions et leurs ingrédients. Okay. Je dis toujours que si une potion ne suffit pas, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. C'est sûr. Mes ingrédients sont locaux et je fabrique mes potions en gardant la santé et la sécurité de mes clients à l'esprit. Donc ça c'est bon les amis, si jamais on a besoin de trucs à acheter, des graines ou quoi, on peut venir ici aussi. On va voir s'il a des graines et tout. Non, il a pas de graines. Minga, t'as rien dans ton magasin. Purée, c'est quoi ce bordel ? C'est tout ce que j'ai. Mais t'es nul, mec. Bon, je peux vendre des trucs ici ou pas ? Je les vends ou pas ? On va vendre des trucs gris, déjà. Vas-y, ça fait de la thune. Ça. Merci. Mais j'aime pas vendre. Je sais même pas si on a une limite. Vous revoir bientôt. On verra. Oh, le ralentissement maudit. Après ce que Ranrock a fait à ce banquier gobelin à The Rock. Je ne devrais pas m'étonner de ce qui est arrivé à Arne. On va aller se battre avec The Rock. Allez, c'est parti les amis. Je sens que ça va être une mission un peu scafatsbal, mais bon, nous on aime les scafatsbalages. Parce que nous on est des téméraires qui vivent dans la témérité de l'explosion de couleurs. Vu qu'on est des magiciens, ça colle bien. Il y a de la thune. C'est quoi ça? Je pensais que c'était un piège. Il y a qui ici? Monsieur, il y a quelqu'un? Madame? Ah, je pense qu'il y a une page. Calypto, Calypso, Scafutsball. Lumus, réveillo. Vas-y, réveille-le, réveille. Ouh, une page. Écaille de noir de Hébride. Le noir des Hébrides est un gigantesque dragon qui peut atteindre jusqu'à 9 mètres de haut. Bourdel. Archibicle. En possède une imposante écaille irrégulière qu'il conserve précieusement dans sa cachette. Elle est où sa cachette ? Elle est ici quelque part alors. Je pense qu'on va aller voir ce qui se passage. Mais nous, on fait quoi ? On s'en fout, on se casse. Il y a des araignées ou quoi ? Oh bordel, 10. Niveau 10, est-ce que je peux les explosages ? Moi je suis quel niveau ? Niveau 8 ? Bon ça va hein. J'aurais pensé que c'était plus compliqué que ça. Oh shit! Oh shit! Hey, il est chaud lui, hein? Il est agressif! Qu'est-ce que j'ai fait? Merde! Non! Réparage! Oh purée, tiens, mange! Ah, t'aimes pas l'incendio, hein? Espèce d'endouille. C'est pas de ma faute si tu es une araignée géante mortelle. Et moche aussi. Très moche. Protego! J'ai eu peur. Pourquoi j'ai lancé du Protego ? C'est quoi ce bruit ? J'entends un bruitage bizarre. J'entends un vent. Un courant d'air. Ah ok, il y avait encore un ennemi. Mais va faire un tour ailleurs, hein. Laisse-moi tranquille. Derrière ou les ruines. Ouais. Je suis sur la bonne voie. Bien sûr. Tu crois quoi que je suis con quoi ? C'est moi qui te dirige, j'espère, je sais bien ce que je vais. Hein. Il y a du courant d'air, les amis, je sais pas comment ça se fait. Il y a du courant d'air de maudit. Ça va, hein. Toi avec ton... Chèvre ténébreuse, maléfique, comme il dirait notre cher Yas. Je m'en fous, Andouille. Va te coucher ailleurs.
On va faire du bourdal de couleurs. Un campement. Ouh. C'est sûrement ici. Ça pue, les amis, le campement. C'est un campement ennemi ? Ben ça, tu m'étonnes. Si c'est pas le cas, ça sera le cas. Vous inquiétez pas. Avec moi, ça part directement en ennemitage. Je pense qu'un jour, j'aurai ma propre entreprise. Avec des gens qui travaillent. Ouais, t'espères toujours, toi, ouais. Va te coucher, il vaut mieux. Oh shit, un gobelin maudit, les amis. Guerrier des fidèles. Mais bourdel, je sens que je vais avoir du mal ici. Je ne suis point encore dans de niveau. Il veut quoi, lui? Je suis l'ange gardien de Nora. C'est qui, ça? Pourquoi il dit ça? Il m'a spoil, les amis. Les gars, j'aime pas qu'on me spoil ainsi, moi. Je m'en fous, espèce d'andouille maudite. Non. Purée, quoi, c'est un démon, l'autre? Wow, quel coup d'hache en pleine face. Tu l'as mérité, espèce de Harry Potter maudit. Wow. Vas-y, vas-y, le dernier. Explosion. Quelle puissance que j'ai, les amis. Je suis une puissance à tout point. Bon. Du cul aigle. On dirait qu'il y a plusieurs moyens d'entrer. Ouais, il y a plusieurs moyens d'entrer, mais il y a 560 76 000 ennemis. Je m'en fous, Andouille. Fireur des fidèles. Des fidèles de qui? De Rockwood ou de Ragnarok ou de The Rock? Schkafat. Pourquoi je fais du Reparum? En fait, c'est... Wow! Mais vise à lui, espèce de fou, va. Action, réaction. Reparo in the scafazzo. Bourdelage de scafazzbalage. Incendio. Ouais, c'était ton frère. Merde, je suis désolé, mais bon. Tu vas vite le rejoindre aussi. Moi, j'y tiens toujours, t'inquiète. Ce n'est pas toi qui va me faire regretter d'être devenu ici. On se bat avec les gobelins, pas avec les objets en deux. Ah, niveau 9, les amis. Bordel de neige, quel... Ouh, il m'a fait mal, lui. C'est quoi ce bordel? Il y a tout ce qu'il y a, les amis, j'avais pas vu dans la map. Il y en a 9, 6, 8. Combien il y en a ici? Je vais me faire défonçage. Esquivage. Voilà. Il y en a encore un qui arrive. Mais comment ça se fait qu'il y en a autant qui arrivent, en fait? Ce n'est pas normal, les amis. Ça me stressage. Merde. Non. Je l'ai rien fait. Incendio, la chose qui est bien, c'est que ça retire beaucoup. Mais le problème, c'est que si on n'est pas proche, ça retire pas beaucoup, en fait. Donc, du coup, il faut que peut-être que je remonte. Uniforme scolaire avec pull décontracté. Merde, il me faut la magie jaune. Merde. J'arrive pas. Il va m'exploser. Incendio. Je n'ai eu aucun mal à dire. Action. Mais tu m'étonnes. Merde, ce que je fais, moi. Dommage. Non, je vais me faire défoncer. Je me bats depuis bien avant ta naissance. Je sais même pas si je peux le mettre maintenant, en fait. Ah, voilà, je peux. Purée. Alors, on va mettre... On va retirer Reparo. On va mettre... On va mettre truc. Non, pas ça. Ça, voilà. Levioso, on va mettre. Est-ce qu'on combat la magie jaune avec la magie jaune? La magie bleue avec la violette? Et après on verra le reste. Voilà, c'est parti. Voilà, tiens, mange maintenant. Non. Je ne perdrai jamais. Merde. J'ai l'impression qu'en fait, plus j'en tue, plus si on a. Il y a quel esquivage. Merde, je peux pas l'utiliser. Je m'en fous, Andouille. Wow. C'est plus des gobelins, ça c'est des Shrek.
coup, ils deviennent énormes. Tu ne peux pas nous merde. Je sais pas pourquoi, les amis, mais je le sens pas. Je sens que je vais me faire défoncer, défroctage. Merde. J'ai utilisé toutes mes magies, toutes mes, mes potions ici, quoi. Rien, mais va, je casse les balles ailleurs. Quelle tronche de cake qu'il a fait quand il est mort. Je vais pas m'énerver, les amis. J'ai décidé de plus m'énerver quand je meurs dans les jeux. Avant, je m'énervais, je faisais le fou et voilà. Maintenant, c'est bon. On dirait qu'il y a plusieurs moyens d'entrer. Ouais. Il y a carrément devant la porte, il m'a laissé. Allez, ben. Écoute. On les explose, hein, écoute. Je te dis, quoi. Ah, ben, j'ai repris directement le niveau 9. Sans même pas. Ça, c'est toi qui le dis, en vrai. Merde, il faut que je mette la magie. Voilà. Léviatoso. Léviatasso. Ouh, Léviatasso. Ouais, ouais. R1. Non, merde. Lève-toi, ta sœur. Bam. Voilà. Je suis passé du côté obscur que je vais t'exploser ta main. Purée, il m'a fait peur. Guerrier des fidèles. Purée, lui, il est chaud. Hé, frérot, il va se calmer, toi. Allez, arrête de m'arrêter dans ma lancée. Hein. Je ne m'arrêterai pas. Quel gueulage infect. Voilà. Wow. C'est toi qui perds la main, Andouille. Oh, mais ils sont chiants, hein. Est-ce que je vais arriver un jour à les battre, ceux-là? Il m'en reste plus que 3. Si on a plus qu'à paresse, il m'en reste que 3, les amis. Léviatasso. J'ai encore trompé de bouton. À chaque fois, je me trompe de bouton, les amis. C'est un truc de fou. Quel bordel que je suis en train de faire. C'est quoi ce truc? Oui! Bon, je pense que je vais arriver, mes amis, cette fois. Saute! Saute! Tu peux y arriver! Il est où? Il m'en reste plus qu'un, les amis. Merde, j'ai raté. Quel con. Bon, ça va, j'ai compris. Allez, viens. Viens, franc-tireur. Bam! C'était assez incroyable. Bon, il faut libérer les chariots d'armes. Ouais. C'était assez incroyable du sens que j'aurais pu faire mieux. Purée, quel combat infect. C'était vraiment de la mocheté totale. J'ai porté la haine contre ce combat. Franchement, c'était de la merde. J'aurais pu m'en sortir plus facilement, quoi. C'est quoi, ça? Ok, il y a 4... emplacement, je ne sais pas pourquoi. Là, il y a un coffre. Là, il y a des champignons. Mais voilà, on prend tout ce qu'il y a à prendre. Champignons in the flower. On va faire de la soupe à champignons après. Mais je ne comprends pas son délire, là, franchement. Je n'y comprends strictement rien. Bon. Ouvrir. Ça ouvre quoi? Il y a purée. Le bugage. Impressionnant. Ah, ok, c'est les chariots du mec en fait, ça. Les chariots reviennent vers Arne. Allez, vas-y, va voir Arne. Et Arne aussi. C'est quoi ça? Ah, attendez, je pense avoir compris. Merde. C'est pas ça. Bah, quoique.
Voilà. Il faut bien faire en faire comme ça. Hein, c'est bon, il en faut faire plus. Ça, c'est pour revoir les trucs de Merlin, en fait. Ce qu'on avait fait sur l'épisode précédent. Quand la femme, elle se faisait agresser par les sbires de Rockwood. Ah, il y en a encore un ici. Il faut que je trouve l'emballage. C'est toute une histoire de balles dans ce jeu. Hein. Des boules, des balles. Des boules baveuses. Les vieux sont... Les boules de toutes les panoplies. Action. Venez ici. Axio de mon derrière. Voilà. Et ça fait deux. Normalement, c'est une cinématique, j'ai réussi. Ah ben non, j'ai pas encore réussi. Il est où le troisième? It's bizarrely. On va regarder par ici. Y'a rien. On va regarder ici à l'intérieur. Peut-être que c'est caché quelque part. Eh ben non, y'a rien. Ça m'aurait pas étonné. Il est où le troisième? Allô, y'a quelqu'un? C'est pas là? Ah non. C'est du bois. En haut peut-être? Eh ben non, il y a seulement un coffre. Bon, ben tant pis, hein, écoute. On va pas rester 3 heures ici. Est-ce que je peux monter là? Ben non, mais ça m'étonnerait que ça soit ici. Hein. Ce n'est pas impossible. Bam, je suis tombé. Wow, purée. Je suis un bison quand je passe, moi, ou quoi? Non, je trouve pas, les amis. On dirait que ce lieu sort tout droit d'un livre de contes. Ouais. Le téléportage, ça nous fait toujours le même effet. L'effet d'être un pété mort avec les livres de... Bonne nouvelle, Arne. Vos chariots sont sur le chemin du retour. Bien sûr. Je ne sais pas quoi dire. J'avais presque ne pleure pas, ne pleure pas. L'espoir de retrouver mes affaires. T'inquiète pas. Les fidèles de Ranrock n'ont jamais compris ce que je trouvais aux sorciers. Merci de me le rappeler. C'était pas facile, mais bon, c'est pas grave. On y est arrivé, c'est plus important. Je n'ai pas eu trop de mal à récupérer vos chariots. Je suis content que vous alliez bien. Pas de mal. Oh, j'ai hâte de retrouver mes affaires, surtout ma peinture. C'est un mensonge. Vous m'avez inspiré. Confiance. Je fais affaire avec des sorciers et des sorcières depuis des années. Merci. Et tout s'est toujours très bien passé. J'en doute pas. Ma prochaine œuvre rendra peut-être hommage à la beauté de notre relation. Je l'espère, espèce d'andouille. Quelle belle idée, Arne. Je vous souhaite bonne chance. J'ai hâte de commencer. Merci encore pour tout ce que vous avez fait pour moi. Oh, merci. Quelle magnifique mission, les amis. J'adore toutes les missions qu'il y a dans ce jeu. En fait, toutes les missions sont vraiment top. Hein. Il n'y a rien à faire, c'est... franchement, ça fait vraiment du style du The Witcher. Hein. Franchement, c'est impressionnant. Dans The Witcher, c'était le même. Hein. Vous avez 300 000 missions secondaires et des fois, elles étaient même mieux que la quête principale, hein, les missions qu'il y avait hein, en secondaire. Et c'était un plaisir de se dévier de la mission primaire, de la quête primaire dans ce jeu. Et là, je pense que ça va vraiment être la même chose. Même si l'histoire principale, enfin la quête principale, elle est vraiment bien aussi. Mais je pense que les quêtes secondaires, elles vont pas nous déplaire, hein, franchement, du tout. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que ça va être une série énormément longue, qui va nous prendre énormément de temps. Parce que j'ai vu qu'il y a, c'est presque 100 heures de jeu, hein, pour faire à tout à 100%, enfin à 100%. Pour faire toutes les missions, toutes les quêtes secondaires, primaires, les objets... De tout, quoi.
Bon, je suis à nouveau ici. Moi, je cherche toujours le même livre. Il me reste un livre à trouver que j'ai pas toujours trouvé. Que j'ai pas encore trouvé, pardon. C'est un peu désespérant, les amis. Mais bon. On fera une autre fois. On trouvera. On finira par trouver, les amis. Le plus important, c'est d'y croire. Alors, on descend vers le hall. On va vers la botanique. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été incluse. Oh, t'inquiète pas, moi ça m'a fait plaisir de t'avoir inclus aussi. Ah, on va voir un cours de botanique, les amis. Allez, c'est parti. Botanègle. Ouais, moi je dors dans les couloirs, je dors dans les pas de porte, les amis. On est un sans-abri, bordel de neige. Pourtant, j'ai mon lit et tout, mais j'aime mieux dormir. Bonjour, professeur Bulbul. Comme ça, je suis pas en retard au cours. C'est merveilleux de vous revoir, ma chère Lenora. Oh, tenez, vous en aurez besoin pour le cours d'aujourd'hui. Merci, c'est gentil. Une citrouille. Un petit cadeau pour votre tante. Merci. Et moi, je dis merci à la place des autres. Bonjour. Oh. Les enfants, veuillez quoi accueillir cette nouvelle rose dans notre jardin. Une rose, ça va. Hein. Je suis plus une hortensia qu'à une rose. Hein. Quelle tête de perverse qu'elle fait. Tout le monde réuni à nouveau. C'est bizarre, toi, fille. Cette nuit sera pleine d'enchantement et d'excitation. Mais ce que nous cultivons avant tout en botanique, c'est la connaissance. C'est magnifique, la connaissance. Le botaniste prudent n'a pas plus peur de la tentacula vénéneuse que du bulbe sauteur. Ah, j'en doute, toi. Allons-y. Aujourd'hui, nous allons nous familiariser avec le mélodieux tubercule appelé racine de mandragore. Quel nom infect, les amis. Voyons si nous pouvons mettre nos amis fibreux un peu plus à leur aise, voulez-vous? Ok, vas-y. Commençons par protéger nos oreilles. Je sens que ça va gueuler ici, j'ai déjà capté c'est laquelle la plante. Maintenant, chacun saisit sa mandragore par les vrilles et la tire fermement. Oh bordel. Ne crie pas trop, mec. S'il te plaît. Oh bordel de neige. C'est quoi ce bordel? Attendez, j'abaisse mon... J'abaisse mon truc. Mon casque. Vas-y. J'aime bien le bruit en fait. Non, vas-y, vas-y, vas-y. On s'en fout. Bordel, quel bruitage infect, les amis. J'allais exploser des oreilles. L'apéro doit envelopper la racine comme une couverture confortable afin que la mandragore s'y sente bien. T'inquiète, c'est déjà fait. Réparo. Ouais, parce que si, il me semble qu'il faut les réparer tous les jours, les carreaux. Je suis terriblement désolée. Oh, vôtre merci. La vôtre était déjà un peu grande, je le crains. Ouais, je pense. Allez, file, veux-tu? Elle gueulait plus qu'autre chose. Travail, tout le monde. Merci. Ça fait plaisir. Bien. La tâche suivante consistera à planter du dictame à la table de rempotage. Ok. Vous pouvez commencer. Je dois m'entretenir avec l'élève qui vient... Le meilleur moment pour planter une graine, c'était la saison dernière. Après, on peut toujours le faire maintenant. C'est vrai aussi. Il n'y a pas de vraie saison maintenant. Je me demande si les hippogriffes aiment le polygonome. Qu'est-ce que j'en sais? Je trouve que le professeur Bulby devrait faire plus attention avec ses mandragores. Pourquoi? T'as peur? Ça te fait mal aux oreilles? Je me pose bonjour, des les questions amis sur le professeur Fig. Pourquoi? Il n'est jamais dans sa salle. C'est étrange. Merde. Tout le monde qui le dit, en fait, ça. Il n'est jamais dans sa... Il donne jamais cours, Fig. Il fait que manger des figues et aller aux toilettes. Oui, me demandez pas pourquoi j'ai fait ça, mais bon. Bravo pour votre mandragore. Ma très chère, merci. Appréhendez. Bah ouais, ça nous a bien plu, franchement, c'était pas mal. À vrai dire, ça m'a beaucoup plu. Votre enthousiasme est très communicatif. Bien vous sûr. Vous êtes bien aimable. Il semble que vous vous faites à la botanique comme une mandragore dans une terre fertile. Je suis une mandragore, comme en fait. Comme je l'ai mentionné, travesti de Potter. Allons vous trouver des graines. J'en ai déjà, professeur. J'en ai récupéré après Olar. Vous les avez trouvées au navet magique? Qu'est-ce que tu crois? Les élèves préparés ne peuvent que s'épanouir.
J'ai demandé à ce que vous ayez votre propre table de rempotage en classe. Merci, c'est gentil. C'est pas facile d'en trouver une aussi vite. Plantez-y les graines maintenant et vous pourrez les récolter plus tard. Même avec de la terre, du soleil et de la magie. Et des nananas, yanni nanana. Bon, comment équilibrer mon bouquet de chardons étoilés? Qu'est-ce que j'en sais, je n'en foute, moi. Bah, on va faire ça, vas-y. On va planter cette mandragone de son de ses morts. Non, c'est pas une mandragone qu'on a plantée. On a planté quoi encore? J'ai déjà oublié, les amis. Ma tête de mule. Dictam, voilà, une dictam. 10 minutes pour tel de neige. C'est un peu trop long, ça, il me semble. Et je vais faire quoi pendant ça? Je dois attendre. Ouais, ouais, je fais quoi? On va pas attendre 10 minutes ici, hein, mec. Merde. J'ai recommencé de à zéro. Quel con. Je peux revenir en arrière, s'il vous plaît? Si je mets retour, ça fait quoi? Ah ok, ça va, c'était une fois ça. Récolté, votre dictame pourra être utilisé dans une potion Wiganweld. Merci. Je laisse le soin au professeur Sharp de vous en dire plus. Merci. Bon, et si on variait un peu? Quoi? Je vais vous présenter une plante bien différente, le chou mordeur de Chine. Ah, oh, c'est vous mignon le nom. Certaines plantes peuvent se révéler utiles en dehors d'un chaudron. J'en les doute pas. Les choux sont un peu grincheux quand ils n'ont rien à mastiquer. Ah ouais, c'est vrai. Je dispose d'un maintien voix. À cet effet. Allez donc leur donner de quoi se faire les dents. Oui, professeur. Ils inquiète. Se trouvent dans l'autre serre, au bout de la passerelle qui part de cette pièce. Au bout de la nuit. Votre camarade, Monsieur Prouette, a gentiment proposé de vous accompagner. Monc, c'est mignon. C'est gentil, Prouette. Venez trouver quand vous aurez fini. Oh, Pirouette. Et attention à vos doigts. Ils ont les dents pointues. Oh, t'inquiète pas, ma très chère. Elle est disparue. Elle est là. Purée, elle se téléporte, la fille. Bon, les amis, alors, on va faire quoi maintenant? Il y a combien de minutages? Combien de minutages ici? Ouais, attends, je regarde mes minutages de filmage. Bon, je pense qu'on est bon, les amis. Donc, moi, je dirais d'arrêter cet épisode ici. J'espère que vous avez aimé, les amis. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez ma vidéo, partagez ma chaîne, activez la cloche pour recevoir mes dernières vidéos. Un grand merci, les amis, et on se retrouve très bientôt pour la suite. Oui, t'inquiète, de nos... Magnifique épisode. Je vais te montrer les choux mordeurs et de Chine. Histoire. Il suffit de monter cet escalier. À toi l'honneur. Ok, merci beaucoup. Allez, à la prochaine, les amis. Ciao, ciao.